Avant son grand périple, le Père Noël est venu rendre une petite visite aux enfants de la maternelle du Rombois. L'occasion pour les jeunes de rencontrer ce grand personnage qui les fait toujours autant rêver. Et pour l'accueillir comme il se doit, les enfants ont interprété quelques chansons de Noël pour lui faire honneur. Après cela, c'est le Père Noël qui a voulu les remercier. Il a donc pris le temps de répondre à toutes les lettres des enfants et en a profité pour leur distribuer quelques friandises avant la grande nuit de Noël. C'est donc en file indienne que les petits sont venus récupérer leurs cadeaux ainsi que leurs réponses. Je te dis joyeux Noël, tu me dis joyeux Noël, on se dit joyeux Noël et aussi bonne année. À toute la famille, on dit joyeux Noël et nos voeux pour que brille la nouvelle année. J'apporte un petit gâteau, tu apportes un petit gâteau, on apporte un petit gâteau. Petit gâteau sucré à toute la famille, on dit joyeux Noël et nos voeux pour que brille la nouvelle année. Je donne un petit baiser, tu donnes un petit baiser, on donne un petit baiser mouillé. À toute la famille, on dit joyeux Noël et nos voeux pour que brille la nouvelle année. Je ne partirai pas, et tu ne partiras pas, et on ne partira pas avant d'avoir chanté. À toute la famille, on dit joyeux Noël et nos voeux pour que brille la nouvelle année. Je te dis joyeux Noël, tu me dis joyeux Noël, on se dit joyeux Noël et aussi bonne année. À toute la famille, on dit joyeux Noël et nos voeux pour que brille la nouvelle année. J'apporte un petit gâteau, tu apportes un petit gâteau, on apporte un petit gâteau. Petit gâteau sucré à toute la famille, on dit joyeux Noël
et nos vœux pour que brille la nouvelle année. Je donne un petit baiser, tu donnes un petit baiser, on donne un petit baiser mouillé. À toute la famille, on dit joyeux Noël, et nos vœux pour que brille la nouvelle année. Et pour terminer cette belle matinée, tous les enfants ont souhaité immortaliser cette rencontre en faisant une photo avec le Père Noël. Un grand moment qui a permis à chacun de débuter les vacances de la plus belle façon et surtout de patienter avant le 25 décembre.